Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment encadrer ce maillot de manière professionnelle pour moins de 100 euros. Il y a 2 ans, je faisais une vidéo où je donnais une astuce pour encadrer votre maillot pour moins de 30 euros. L'astuce était cool et le résultat plutôt convaincant. Mais aujourd'hui, grâce à MyGoat, je vous mets l'URL dans la description de cette vidéo, je vais transformer ce cadre cool en un cadre d'exception. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Tout d'abord, je voulais remercier le site cadre-maillot mygoat.fr, partenaire de cette vidéo. Je voulais aussi saluer la simplicité et l'aspect vraiment accessible, que ce soit en termes de prix et de montage. Pour tout vous dire, même le tournevis est fourni dans l'emballage. Passons maintenant de la théorie à la pratique en réencadrant ce magnifique maillot signé de Maradona. Ouvrez la partie supérieure du cadre grâce au tournevis fourni. Faites sortir les plaques en les coulissant. Insérez votre maillot dans le gabarit tout en le centrant et en l'étirant vers l'arrière pour minimiser les plis. Retournez la première plaque, imprimez les photos et la plaque descriptive. Le gabarit est disponible sur le site internet. Puis venez les coller sur l'espace prévu à cet effet. Une fois bien collé, retournez, posez les deux plaques et la vitre en plexi. Coulissez les plaques dans le cadre. J'avoue que c'est la partie la plus délicate. Retournez le cadre tout en le maintenant sur les côtés. Revissez la partie supérieure du cadre. Et voici le travail. Un cadre level up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.